Hi, my name is Aletiana Razafi Mandimbi Manana, and I'm a professor in social linguistics. I'm actually based here at the University of New Caledonia in the South Pacific. In the core of my research project, I usually deal with social linguistics, but also plurilingual and multilingual education. In the past few years, I have also been trying to develop, to theorize, and to apply plurilingual, pluriartistic, and creative approaches, whether in teacher training, in university courses, but also in the dissemination of scientific research. This brings me to the title of our presentation today, which is Decentering Linguistic Expertise as a Form of Social Justice. With my co-presenters, we thought it would be an interesting and meaningful idea to actually seize the video format of the presentation, not only to address the subject, but more specifically, to showcase and to illustrate what a project based on linguistic expertise looks like, and also to try and go behind the scenes and listen to the narratives, listen to the stories of those with whom we decenter the linguistic expertise and for whom. First of all, I'll just give a few words on the research project, the concept that we're working on, linguistic microaggressions. And then we'll have an encounter with Fabrice Wachely, a linguist that I worked with. He was born in the island of Lifu, here in the archipelago of New Caledonia. And then we will meet Pablo, an artist in the hip-hop movement here in New Caledonia, and also a cultural mediator. And we'll end the video with the voices and stories of three of our students. The concept that is in the middle of our research project is linguistic microaggressions. This concept was coined by Fabrice Wachely and myself, and we drew from the research work done by Chester Pierce, who worked on racial microaggressions. We wanted to more precisely work on linguistic microaggressions in order to define those comments and remarks or speeches that aim at someone, just trying to destabilize, to invalidate, or to make someone feel they're no longer legit because of their linguistic feature, because of their repertoire, or because of their accent. And from this concept, we invited students to take pictures of themselves where they would show the comment or the sentence they feel is like an aggression. And then you'll see, we'll tell you the story of what happened to this project. A little bit of insight on the three main effects of linguistic microaggressions. So based on the stories of the students, the first effect is mutism, meaning interactional choices by our students to stop talking, to not use their languages if they were the ones aimed at, or to erase their accents because they think it's going to be something hurtful or that will make them feel shameful. The second effect is a loss of self-esteem. They think they no longer have competences or their skills are being questioned, and this is really something that has an effect in their schooling and their academic trajectory. The third and last effect is an impact on the linguistic diversity, because the students tell us that they actually sometimes would choose not to share their languages, not to transmit their languages or linguistic features to the children around them or to their own children, because they're afraid that they will transfer this type of shame and negative experiences. Bonjour, je m'appelle Fabrice Wachely. Je vous ai invité ici dans mon lieu d'enfance, là où j'ai grandi. Mes parents sont arrivés très tôt, s'installer sur Nouméa afin d'avoir un emploi. Et donc j'ai grandi dans ce quartier de Rivière-Salée. C'est un quartier qui a été érigé pour accueillir
les employés de l'usine Le Nickel. C'est une entreprise minière qui traite du nickel et qui générait à l'époque beaucoup d'emplois et beaucoup d'Océaniens, mais de Kanaks également, de différents endroits de la Nouvelle-Calédonie. Se réunissaient dans ces quartiers qui ont été créés pour les besoins de l'usine du nickel. Et donc dans cet endroit, il y avait un véritable melting pot, c'était assez pluriculturel. Il y avait des personnes qui venaient de partout, en Nouvelle-Calédonie, mais également en Océanie, avec des Tahitiens, des Wallisiens, des Vanuatais, etc. Donc beaucoup de brassages ethniques, brassages culturels. C'est véritablement l'endroit où j'ai pris conscience finalement de la richesse de la Nouvelle-Calédonie. Vivre dans ces petits lieux où on concentre beaucoup de personnes qui proviennent d'horizons différents. Dans cet espace, j'ai appris à vivre finalement avec les autres. C'est l'endroit où on jouait au foot, où on échangeait avec les amis du quartier. Également l'endroit où on échangeait aussi des éléments de culture les uns avec les autres. Il m'intéressait beaucoup de connaître comment on disait certains mots dans les langues de mes amis de quartier, mes camarades avec lesquels je jouais. Et donc c'est ici véritablement que j'ai cassé d'une certaine manière les barrières culturelles et les barrières linguistiques que j'ai pu avoir précédemment. C'est un endroit où on entend beaucoup de langues également, puisque dans chacun des appartements, il pouvait y avoir des gens vraiment locuteurs de différentes langues. Et donc le français que l'on parlait, c'est un français vraiment de quartier. Le français liait, on va dire, les autres mots qui intégraient cette langue-là. Par exemple, des expressions liées en djihou, dans ma langue maternelle, mais également des expressions en émouné. Puis tout ça faisait un brassage aussi linguistique qui donnait vraiment cette richesse à la langue de quartier que l'on utilisait entre nous. Et c'était devenu un code dans lequel on pouvait s'exprimer librement et échanger et également pouvoir se reconnaître finalement, puisque cette langue de quartier que l'on parlait faisait partie intégrante de notre identité, et c'est ce qui nous permettait de nous démarquer des autres. Le nom de ce quartier, c'est Louise Michel. Pour moi, c'est aussi hautement symbolique, Louise Michel, qui a été déportée parce qu'elle avait des méthodes d'éducation, d'instruction de ses élèves qui étaient innovants pour l'époque, et c'est pourquoi elle avait été déportée ici en Nouvelle-Calédonie, justement pour ses idées trop avant-gardistes pour l'époque. Donc voilà pourquoi j'aime ce quartier, et j'aime aussi y revenir de temps en temps pour me rappeler d'où je viens et de me rappeler aussi cette diversité culturelle et linguistique à laquelle j'ai été confronté et dans lequel j'ai baigné toute ma vie. Nous sommes cette fois-ci dans mon lieu de travail actuel, puisque je suis enseignant-chercheur en langue et littérature orale océanienne à l'INSPE, Institut National Supérieur du professorat et de l'éducation. C'est l'endroit où nous formons les futurs enseignants. Et donc je suis également chercheur. Et donc l'objet de ma recherche, c'est l'adaptation des contenus éducatifs de la Nouvelle-Calédonie à son contexte multiculturel, mais également plurilingue. Donc je travaille depuis quelques années maintenant la transposition didactique aussi des savoirs traditionnels dans le milieu éducatif. Et donc l'objet de mon travail, c'est de faire prendre conscience aux enseignants que les élèves ont déjà un capital de connaissances de départ, que ce soit au niveau linguistique, mais également au niveau culturel. Ils ont tout un tas de connaissances qui viennent de la maison, qui viennent du quartier, qui viennent de leur milieu de vie. Et que l'on va prendre en considération et valoriser également dans nos contenus éducatifs.
Donc l'éducation, l'enseignement, l'instruction aujourd'hui, ce n'est pas des enseignants qui déversent dans des cerveaux vides. Au contraire, ils sont déjà détenteurs de connaissances et on construit de nouvelles connaissances sur la base des connaissances qu'ils ont déjà. Et donc c'est tout l'objet du travail que je mène actuellement à l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Bonjour, moi c'est Pablo, j'ai 35 ans, je suis calédonien. Moi je suis animateur socioculturel dans un quartier populaire et j'ai monté plusieurs projets multimédia, donc vidéo, son, avec des jeunes. Et la thématique de la linguistique, c'était quelque chose qui revenait souvent. Alors une langue pour moi c'est une culture, c'est un patrimoine en fait, c'est quelque chose qui nous fait nous. C'est les racines d'une personne je trouve, c'est quelque chose qui nous définit en tant que personne. Et j'ai d'ailleurs à propos de ça un regret personnel, c'est que je ne parle pas les langues originelles de mes parents. Donc moi je suis métisse, j'ai mon père qui est d'origine indonésienne, qui fait partie de cette communauté javanaise qui est venue en Calédonie pour travailler, et ma mère qui est d'origine italienne. En Calédonie, il y a énormément de langues. Il y a les langues vernaculaires kanak, il y a plus de 28 langues, et puis il y a les autres langues. Qui viennent d'Océanie ou d'ailleurs. Donc c'est vrai que j'ai pas mal regretté de ne pas avoir d'autres langues que le français. C'est un des regrets de ma vie, de ne pas pouvoir participer, on va dire, à cette grande soupe. Et j'ai aussi, bien sûr, participé au projet Accent. Donc ça, c'était un projet vachement intéressant puisqu'on mettait en scène les micro-agressions linguistiques. Donc que moi personnellement j'ai vécu aussi, hein. On me disait mais toi t'es javanais mais tu parles pas javanais, t'as des origines indonésiennes mais tu parles pas, mais t'es un faux cacane. Moi ça m'a parlé tout de suite ce projet là et j'avais envie de le mettre en avant, de le mettre en lumière, qu'on en parle plus, et je me suis dit la meilleure façon de le mettre aux yeux de tous, c'est de l'exposer dans la rue. Moi, j'ai un passif de graffeur, de street artiste. Je fais partie du mouvement hip-hop calédonien. Et tout de suite, ça m'a parlé. Je me suis dit, on va pouvoir réaliser. Donc, il y avait des photos déjà qui étaient faites avec des personnes qui tiennent donc une feuille avec écrit l'agression qu'ils ont subie. Et ça, je me suis dit, on va l'imprimer un peu à la JR ou ces travaux de photographie en noir et blanc qu'on collait dans la rue. Donc, on s'est associé avec un autre graffeur qui s'appelait Cham à l'époque. Et on a customisé des grandes impressions, et on est allé les coller à Nouméa, sur les murs de la FOL, sur les murs d'expression du Rex, dans la rue. Et c'était vachement puissant de faire ça, puisqu'on montrait aux yeux de tous voilà ce qu'on pouvait vivre de façon intime, quoi. Des fois, on a des blessures intimes au plus profond de nous quand on nous dit quelque chose. Ça nous agresse, mais on le garde pour nous. Mais là, ça faisait du bien de le coller dans la rue, pour que tout le monde se sente concerné. Puis, on peut passer devant et après, ça va nous faire réfléchir pendant les 10 prochains pas qu'on va faire. On va dire, purée, mais moi aussi, j'ai subi ce genre de choses. Donc, je pense que le décentrement de l'expertise dans les sciences, il est important, surtout au niveau de la linguistique, parce que les langues, elles évoluent tous les jours. Et une langue, elle ne se façonne pas dans un laboratoire ou dans un bureau. Elle se crée dans la rue, sur une place de marché, dans un bar. Ça se rencontre, ça échange des mots, on entend des mots qui viennent d'ailleurs, on les transmet. C'est-à-dire, on a le savoir académique. Dans des murs, et puis dehors, il se passe des choses aussi. Et il ne faut pas négliger ce savoir-là, parce que c'est un témoignage important, je pense. C'est le vécu qui parle, et voilà, il ne faut pas l'oublier. Ah, mais moi, je sais que ça me sert tous les jours au travail. Ouais. Tous les jours, et ça fait du bien aussi de s'autoriser à être soi, et puis à communiquer naturellement, à pas... Moi je sais que j'ai été un peu bridée par rapport à l'avant licence, le fait que on ne pouvait pas parler comme je voulais, parce que voilà quoi, le statut de métis toujours un peu délicat.
Et puis là, aujourd'hui, ben, c'est cool quoi, de pouvoir affirmer ben, mon petit univers, là où j'ai grandi, là où j'ai eu mes premiers contacts avec ben, les différentes langues de mes amis, de ma famille et tout. Quoi. Je dirais que ça m'a un peu aussi légitimée dans ce que je fais, dans ce que je faisais déjà inconsciemment avant. Le projet qu'on avait fait sur les micro-agressions, mais j'ai l'impression que c'était, pour nous, ça a été une prise de conscience. Ouais. Parce que maintenant, dans ma carrière professionnelle, comme je disais tout à l'heure, ben je me pose des questions sur la normalité, qu'est-ce qu'on doit faire passer aux enfants, parce que du coup, c'est eux l'avenir, c'est eux le futur. À un autre niveau, c'est essayer d'éveiller en fait, le plus de personnes à éveiller les consciences au rapport aux langues. Et justement démystifier en fait ce truc là. Oui. Oh non, mais parle correctement le français. Mais ouais, c'est bon, c'est plus le français momifié de. Oui, ah non. Après, il faudrait plus en parler pour que les gens ils en prennent conscience. C'est ça, parce que c'est peut-être de l'ignorance en fait, ouais. Et de la peur. Et puis ben, après, voilà, on reste dans des anciens clichés là. Il faut parler une seule langue pour que l'enfant ne soit pas déstabilisé. Qui puissent bien apprendre et tout. Non, on a vu, il y a beaucoup d'expertise, hein, c'est intéressant de voir en fait justement des jeunes enfants qui apprennent plusieurs langues et qui développent encore d'autres facultés intellectuelles, émotionnelles, plein de choses, et puis après ils sont créatifs, ils sont pleins de. Ils sont en harmonie avec eux-mêmes. Tout le monde est expert. Thank you.